Bonjour à tout le monde, tous ceux qui sont présents pour me suivre déjà pour commencer, mais vous allez voir que ça va attirer du monde. Je vais aborder avec vous nos accessoires favoris en vidéo, donc je vais me présenter d'abord. Moi je suis Mathieu, conseiller technique chez Lovinpix. Donc ma spécialité à moi c'est la vidéo. Aujourd'hui on est au salon de la photo, mais ce qu'on sait tous c'est que nos appareils ils font tous de la vidéo. Donc c'est important de savoir s'en servir de manière à tirer le meilleur parti de ce boîtier qui fait tout, quoi. Parce qu'aujourd'hui ils font bien la photo, mais ils font surtout très bien la vidéo également, et parfois on le néglige un peu. Donc on va voir ensemble comment vraiment tirer au mieux parti de cette nouvelle fonctionnalité que tous nos boîtiers nous apportent. Et donc voilà. Donc ce qu'il faut savoir, ça va être le plan qu'on va suivre. On va voir ensemble donc les aides à la prise de vue, le focus, comment bien gérer sa profondeur de champ avec votre boîtier, parce que avec un si grand capteur en général sur les boîtiers d'appareils photo, ben, on a une profondeur de champ qui est vraiment intéressante. On va voir aussi comment alimenter son boîtier parce que la vidéo ça consomme. Et puis enfin les épaulières et stabilisateurs. Donc pour commencer, on se pose la question. Pourquoi je vais passer de mon petit GH4, qui est le boîtier du moment, vraiment, pourquoi je vais passer du GH4 à ça? Je ne vous dis pas que tout le monde va passer à ça, mais il y a quand même des vérités là-dedans, il y a des choses à apprendre qui sont peut-être pas si mal que ça. En photo, on a toujours cette possibilité de capturer l'instant, et puis si jamais on n'est pas content de la photo, c'est facile de recommencer. On vérifie sur la photo précédente et on revient sur ce qu'on vient de faire. On reprend le réglage parce qu'il n'était pas bon. Donc ça, c'est la flexibilité qu'on a avec la photo. On va peut-être pas avoir cette flexibilité-là en vidéo. Donc c'est peut-être pour ça qu'on va utiliser ce type de montage ou d'accessoire. On va voir ensemble pourquoi on va faire un montage aussi gros en fait. Donc capturer l'instant, c'est différent de capturer le moment. Le moment, une fois qu'il est passé, c'est difficile de le recréer. Sauf peut-être au cinéma, mais bon, c'est une dynamique un peu différente. Donc on va voir comment bien configurer son matériel. Donc pour ça, pour nous aider, on va avoir les aides à la prise de vue. Et donc pour ça, il va falloir peut-être penser à investir en fait dans un écran ou dans un viseur. Il y a plusieurs types de retours vidéo en fait qui vont nous apporter des vraies aides très fines. Donc le premier avantage de prendre un écran pour passer à la vidéo, c'est déjà, ça va magnifier votre image. Vous avez une image plus grande, donc vous voyez mieux ce que vous faites. Avec une résolution de 21 mégapixels en photo, c'est facile de pouvoir zoomer dans l'image, mais ça va être plus délicat en vidéo où on est limité à 1080p. Donc, dans ce cas-là, un écran pour tout de suite savoir ce qu'on a de façon précise, c'est un vrai assistant de prise de vue en fait. Ils vont nous apporter aussi quelque chose en plus. Il y a des fonctionnalités qui nous apportent qui sont vraiment à ce titre de la réalité augmentée, puisqu'ils vont vous permettre d'avoir des fonctionnalités que vous n'avez pas dans votre boîtier ou que vous avez mais qui ne sont pas géniales. Qui sont peut-être un cran en dessous. Alors la première des fonctionnalités que tout le monde connaît, c'est le picking, donc qu'on voit ici. Donc ça, il s'agit d'un surlignage qui va vous permettre d'avoir en temps réel la zone qui est en focus. Donc ça, c'est une vraie aide parce que finalement, on a juste à suivre ce qui est en rouge pour savoir où se trouve notre focus. Comme on est déjà en train d'enregistrer, on ne peut pas se permettre de passer de l'un à l'autre tout le temps en cherchant le focus. Et puis surtout, on est habitué en photo à avoir l'autofocus qui nous remplace bien finalement, puisqu'il fait tout le travail pour nous. Mais en vidéo, c'est pas toujours satisfaisant à ce niveau-là. Il y a quelques boîtiers qui font l'autofocus, mais c'est pas une science en soi, c'est pas une possibilité satisfaisante. La deuxième chose qu'on peut retrouver dans un écran, c'est les fausses couleurs que vous avez là. Donc les fausses couleurs, c'est quelque chose qu'on néglige souvent parce que ben on se demande vraiment ce que c'est cette vision un peu predator, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais en fait c'est un super indicateur parce que là vous avez une charte de couleurs qui va vous indiquer si vous êtes exposé ou pas. Donc on a l'impression qu'il nous prend par la main et qu'il fait le travail à notre place,
Mais n'oubliez pas que selon la situation, les conditions vont changer. Et ça va peut-être être gênant de passer d'une condition de lumière à une autre. Là, vous savez exactement ce qui est surexposé dans votre image. Si vous voulez gérer un contraste entre le sujet ici, qui est le vert de lait, et le fond, qui est le fond bleu pour le coup, vous pouvez ajuster vraiment cette exposition pour avoir le contraste le plus doux possible, enfin celui qui vous intéresse finalement. Si vous avez la possibilité, bon, si c'est pas assez éclairé derrière, bah vous pouvez demander à votre assistant de mettre la lumière sur le fond. Comme ça, vous allez pouvoir équilibrer ce contraste entre cette zone rouge qui est surexposée et cette zone bleue qui est complètement sous-exposée. Donc là, par exemple, on a une exposition correcte et on voit tout de suite que sur les fausses couleurs, eh ben, l'exposition elle est passée de rouge à jaune, ce qui est déjà des tons un peu plus acceptables en termes d'exposition. On parle vraiment d'exposition là. Et c'est un super outil. Là. Les fausses couleurs, c'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir très vite l'information qu'on recherche dans l'exposition de notre image, en vidéo, en live et tout de suite. Donc c'est super intéressant quand on est déjà en train de filmer. Il y a une autre possibilité avec ce matériel. Dans les écrans aujourd'hui, la tendance, c'est de mettre directement un enregistreur dedans. Alors pourquoi enregistrer dans l'écran aussi? Eh bien parce que en fait, nos enregistreurs vidéo dans nos boîtiers, même si le capteur est génial, les enregistreurs sont pas top. Donc les marques commencent à venir sur ce terrain-là en apportant des écrans qui enregistrent. L'avantage de passer sur un enregistreur externe qui fait en plus écran, c'est que vous avez toutes les fonctionnalités dont on a parlé juste avant, à savoir le picking, les fausses couleurs et encore plein d'autres aides à la prise de vue, histogramme, waveform. Donc c'est vraiment très complet en termes de gestion de votre image. Et non seulement ça, vous allez enregistrer en ProRes. Alors ProRes, ça sonne tout de suite chinois pour beaucoup de gens, mais concrètement vous avez une meilleure qualité, une meilleure définition. Alors c'est subtil, on peut discuter de ça très longtemps, mais vous avez quand même une meilleure définition, c'est indéniable. Vous avez la possibilité de faire un étalonnage plus poussé parce que l'espace dans lequel se trouve le ProRes, l'espace colorimétrique, est plus large que d'habitude dans les enregistreurs qu'on retrouve dans nos caméras. Donc vous allez pouvoir faire un étalonnage plus précis, plus fin. Et c'est quelque chose qui va vraiment être si vous voulez ajouter votre petite patte artistique, ça va être quelque chose qui va vraiment amener votre touche personnelle et surtout la possibilité de le faire. Parce que en passant directement sur l'enregistrement que vous avez dans votre caméra, si vous voulez pousser un peu les rouges parce que votre image est trop verte, eh ben, tout va être rouge en fait, parce que l'enregistrement est trop... Il n'y a pas assez de marge de manœuvre dans l'enregistrement d'informations pour pouvoir aller chercher cette petite teinte rouge qui manquerait à votre image. Donc si vous élevez les rouges, tout va être rouge. La grand-mère sera rouge, la voiture sera rouge, et ça va être gênant dans votre façon de gérer votre étalonnage. C'est aussi le ProRes, c'est aussi une façon de monter qui est plus saine, parce que vous allez avoir un ordinateur qui n'est pas en train de hurler à la mort, parce que les ressources que vont demander le ProRes sont moins gourmandes en fait. Donc c'est plus facile de faire un montage dans ces conditions-là. Vous n'allez pas avoir la petite roulette de la mort si vous êtes sur Mac, petite roulette arc-en-ciel dont on a tous peur. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on voit tout de suite en passant du H264, qui est le format qu'on retrouve dans les caméras, au ProRes, sur les enregistreurs qu'on retrouve comme on les voit là. On voit vraiment la différence sur un logiciel de montage. Ça va beaucoup plus vite. On passe ensuite au focus. Alors j'en ai parlé vite fait. Depuis 20-30 ans, il y a quelque chose qui nous aide beaucoup, mais qui fait de nous des mauvais photographes, c'est l'autofocus. Avant, les photographes, ils se débrouillaient avec leur bague pour faire le focus. Ils avaient le petit témoin qui se mettait en face et ils pouvaient faire un focus relativement bon, tout ça en manuel. Aujourd'hui, on a l'autofocus en photo, mais on l'a pas en vidéo. Donc, quand on passe à la vidéo, on se retrouve un peu livré à soi-même et on doit gérer le focus du mieux possible. Alors, la petite chose à savoir, c'est qu'il y a aujourd'hui le follow focus. Dans la vidéo, c'est vraiment quelque chose
C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter l'ergonomie, l'ergonomie un cran au-dessus. L'utilité du follow focus, clairement, c'est que ça va amener moins de vibrations dans votre image. Donc ça, votre spectateur, il va le ressentir. Et surtout, vous allez être dans une position, au lieu d'être là avec la vidéo, puis de commencer à faire votre focus comme ça, parce que c'est manuel, vous êtes obligé de tout faire vous-même. Donc là, vous créez des vibrations, votre image, elle commence à tanguer, et ça se voit dans l'œil du spectateur. Même s'il ne s'en rend pas compte, c'est subtil, mais il le sent. Donc le follow focus, au lieu de faire le focus de cette manière en vidéo, vous allez le faire ici, ce qui est un mouvement beaucoup plus humain. Donc là, tout de suite, on comprend l'intérêt d'avoir à 90 degrés le focus là, parce que ça met toutes les vibrations que vous allez créer avec votre main dans l'axe. Donc c'est tout de suite plus plaisant à regarder. Non seulement ça, c'est beaucoup plus précis. C'est une utilisation qui va vraiment vous permettre d'aller dans la fluidité, de passer d'un point à un autre. Quelque chose qu'on ne fait pas en général en photo, puisque le focus il passe de l'un à l'autre, c'est quasiment du tout ou rien. Il passe de l'un à l'autre en photo, ça ne pose pas de problème. Mais en vidéo, si vous voulez vraiment une fluidité maximale, vous allez avoir besoin de pouvoir le faire. La bague ne va pas vous le permettre. Alors, elle n'a peut-être pas cette petite friction qui va faire du bien. Là, avec un follow focus classique comme ça, vous allez avoir cette friction et vous allez avoir cette précision surtout. Il y a des nouveautés qui arrivent. Alors, c'était jusqu'à maintenant très cher, c'était réservé au cinéma. C'est les follow focus sans fil. Donc, chez DJI, il y en a un qui vient. Alors, je sais, c'est encore très cher, 2 000 €. Mais avant, c'était encore plus que ça. C'était là, ils ont carrément divisé le prix par 4. Mais ça commence à venir vers nous et la technologie commence à se démocratiser un peu. Par ailleurs, il y a le Aputure DEC. Donc, si vous avez un hybride GH4 ou A7S ou A7R2, A7S2 également, c'est des bagues qui sont super intéressantes parce qu'elles vous permettent de garder votre objectif Canon que vous aviez de votre précédent boîtier. Et vous pouvez également faire le focus avec cette bague parce qu'elle a dedans tout ce qui permet de gérer l'autofocus de votre objectif Canon. Donc, c'est un super. Ça fait à peu près tout. Et en plus, c'est pas si cher que ça, c'est en dessous de 500 €. Donc c'est certes à côté du follow focus classique qui est entre 100 € et 200 €, c'est un investissement. Mais par contre là vous avez tout, vous avez votre objectif d'avant, la possibilité de faire le focus et en plus sans fil. Donc c'est pour toutes les raisons qu'on a évoquées, c'est vraiment intéressant. Le focus c'est aussi vraiment tributaire de notre profondeur de champ. Donc on va voir ensemble pourquoi utiliser une matbox en fait. Moi quand j'ai commencé la vidéo, ça fait 5 ans maintenant, la première chose que j'ai regardé c'est pourquoi ils ont ce gros truc là qui est devant la caméra et on sait absolument pas ce que ça fait. C'est une boîte noire dans notre cerveau et finalement c'est rien de plus qu'un porte-filtre. Donc on va voir ce que ça va nous apporter. En photographie, on va pas filtrer pour les mêmes raisons qu'en vidéo. En photographie, on va filtrer pour faire une exposition plus longue. Donc pour avoir cet effet un peu minimaliste où il y avait des vagues avant, elles ont été lissées par le temps. Le temps d'exposition est tellement lent que les vagues sont devenues floues et elles ont été complètement lissées, annulées par le mouvement. Donc c'est pour ça qu'on va filtrer en photo. En vidéo, on va plutôt rechercher une profondeur de champ courte, donc une ouverture très grande. Donc c'est plus l'effet recherché en vidéo plutôt que la photo. C'est deux approches qui sont complètement différentes. Donc pourtant, on va utiliser le même matériel pour arriver aux deux mêmes résultats. Pour avoir cet effet cinématographique qu'on recherche pour faire transmettre l'émotion qu'on veut. Et on le voit beaucoup dans le cinéma. Hein. Juste avec cette image, on voit tout de suite qu'on a Monsieur l'inspecteur moustachu qui vient avec stupéfaction devant sa scène du crime. Et pendant ce temps-là, dans le flou, il y a quelqu'un qui se déplace. Alors, on peut tout de suite comprendre. Grâce à cette profondeur de champ, on peut traduire une émotion bien précise. Le monsieur, il suffit qu'il fasse des mouvements un peu flous. Il est dans le flou, donc il va faire des mouvements flous. Et tout de suite, on se dit, on peut se dire que c'est le traître dans notre scène, juste avec cette dimension de netteté sur le personnage principal et cette dimension floue sur le personnage qui est un peu sournois et etc. Donc c'est un vrai outil, la profondeur de champ, et il faut l'utiliser à notre avantage. Donc pour avoir la profondeur de champ la plus courte possible ou du moins la plus adaptée à ce qu'on veut faire, on va filtrer. Il y a des solutions assez simples. Mon collègue vous en parlera plus tard sur le run and gun.
Mais cette solution-là, elle est super bien parce qu'elle n'est pas chère, elle n'est pas encombrante et surtout c'est super facile à régler. Vous avez juste, c'est un variable en fait, que vous allez pouvoir simplement noircir de plus en plus juste en le tournant. Donc c'est super intéressant parce que finalement vous n'avez pas la matbox qu'on a pu voir juste avant, tout cet attirail qui va vous gêner dans vos déplacements. C'est bien aussi si vous avez du matériel qui ne vous permet pas d'utiliser un porte-filtre ou ce genre de choses. C'est un petit inconvénient par contre par rapport à un filtre standard, un filtre comme celui-ci carré qui a juste sa teinte et sa densité. Ça va avoir un tout petit désavantage, c'est que en fait pour créer la densité avec le filtre variable, on va simplement faire se déplacer deux parois polarisantes. Ce qui fait que le polarisant, on le sait, sur les reflets, ça a un effet. Vous allez à la fois avoir cet effet de densité et vous allez donc baisser la luminosité qui rentre dans votre capteur, mais en même temps, il y aura cette polarisation qui va s'effectuer. Donc, c'est le petit désavantage du variable par rapport au filtre classique. Si vous ne voulez pas vous encombrer justement de cet effet, vous pouvez utiliser un porte-filtre. Il est tout à fait possible d'utiliser votre porte-filtre que vous utilisez en photo, en vidéo. Il n'y a absolument aucune contre-indication à ça. D'ailleurs, la matbox dont on parlait juste avant, c'est rien de plus qu'un porte-filtre avec des œillères. C'est juste ça. Le porte-filtre Nissi V3 vous donne en plus la possibilité de mettre un polarisant. Donc, si vous voulez gérer cette polarisation cette fois-ci, vous pouvez le faire avec ça. Donc là, vous avez le meilleur de tous les mondes. C'est pas trop encombrant, ça l'est un peu plus que le filtre classique, mais c'est quand même quelque chose qui reste précis dans ce que vous faites. Vous avez la qualité des filtres photo dont la réputation n'est plus à faire, et en plus la possibilité d'affiner votre filtrage avec une polarisation. On va passer à l'alimentation parce que ça aussi c'est quelque chose qui me tient à cœur dans la vidéo. L'alimentation, c'est un gros problème parce que finalement, on consomme beaucoup plus en vidéo qu'en photo. Donc, on pourrait se dire, bon, bah, pour régler ce problème, j'utilise mon grip. Oui, vous pouvez utiliser votre grip, c'est vrai. Ça double votre autonomie de base. Mais c'est pas génial. Donc, le grip, vous avez vos deux batteries dedans. Mais le problème, c'est que vous allez élever le centre de votre boîtier. Ce qui va faire que tout ce dont on a parlé avant, le follow focus, les aides à la. L'écran, etc., vous allez le placer où à cause de cette masse? Le follow focus, vous allez avoir votre roue crantée qui va tourner dans le vide, donc vous ne pouvez pas l'utiliser. Si vous voulez utiliser un follow focus et avoir une autonomie de batterie qui soit suffisante, bah c'est un peu le grip, ça va être une obstruction à tout ça. On a des solutions pour ça. Vous avez la batterie NPF et la batterie V-mount, donc qui sont des standards, vous allez les retrouver partout. Elles ont chacune leur avantage. La batterie NPF, c'est une batterie qui est très légère, qui va vous permettre de doubler, voire tripler l'autonomie de votre boîtier d'origine. Et surtout, a priori, elle est compatible avec la plupart des boîtiers, juste avec un simple adaptateur. La batterie V-mount, elle a d'autres avantages. La batterie V-mount, elle est plus lourde, mais par contre, elle va vous permettre d'alimenter plusieurs sources à la fois. Si vous avez votre écran, vous allez pouvoir alimenter votre écran et votre boîtier, tout ça en même temps. Donc c'est quand même pas négligeable. Et puis si vous avez un follow focus sans fil dont on a parlé avant, vous pourrez aussi l'alimenter. Il existe des nouvelles solutions, mais c'est un peu plus propriétaire. C'est des marques qui font ces batteries-là, qui sont intermédiaires un peu entre la NPF et le V-mount. Donc ça a les avantages des deux. Par contre, c'est des batteries qu'on ne retrouve pas beaucoup. Donc, il faut faire attention dans l'utilisation. Est-ce que ça va avec votre boîtier? Est-ce que ça va pouvoir alimenter plusieurs choses à la fois? C'est pas toujours dit. Donc, pour utiliser ces batteries, il va falloir les mettre sur notre super épaulière géniale. Donc, vous allez avoir un simple sabot que vous pouvez glisser dans les structures standard de d'épaulière. Ici, vous avez, comme je vous l'ai expliqué, vous avez plusieurs entrées-sorties pour vous permettre à la fois de recharger la batterie tout en continuant à tourner, ce qui est quand même pas négligeable. Et puis vous avez ici du 12 volts, ici du 15 volts et ici du non ici du pardon du 12 volts
du 7 volts et du 5 volts. Donc si vous avez plusieurs types d'appareils qui sont alimentés de plusieurs sortes, vous pouvez le faire. Pour les batteries propriétaires, très souvent, vous allez avoir besoin de ce petit coupleur qui est simplement là pour remplacer votre batterie initiale en fait et permettre donc de la connecter à une batterie externe. Ça marche aussi pour les NPF, donc ce genre de coupleur existe pour quasiment tous les boîtiers. Voilà pour l'alimentation. Donc on arrive à notre épaulière, on l'a composée, on a vu ensemble le follow focus, la prise de vue, la matbox, donc on va les revoir, pour avoir notre profondeur de champ. Ça c'est pour la prise de vue. Vous avez une véritable centrale électrique si vous permettez l'utilisation d'une V-mount. En plus de ça, on la met derrière. Pourquoi ? Parce que ça va équilibrer. Ça fait du poids tout ça, donc ça va équilibrer en guise de contrepoids. Donc on la met derrière. Et tout ça, vous arrivez à le supporter sur une structure de deux tubes, aussi simple que ça. Et donc voilà. Et là, vous me dites, mais Mathieu, c'est un joli porte-avions que tu nous as fait là. Oui, c'est vrai, ça ressemble à un porte-avions. Tout le monde ne va pas l'utiliser comme ça, mais il y a des solutions un peu déviantes qui vont nous permettre quand même de réussir à utiliser quelque chose qui est moins volumineux, mais tout aussi efficace. Surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, vous vibrez moins avec un système comme ça plutôt que de tenir à la main votre boîtier appareil photo. C'est pas négligeable. Encore une fois, dans le subconscient de votre spectateur, il a été habitué à voir des productions hollywoodiennes qui utilisent des grosses caméras. Donc il y a une inertie qu'on connaît, il y a une dynamique, une cinétique dans ces mouvements qu'on va retrouver avec une épaulière. Et ça, vos spectateurs, même s'ils ne s'en rendent pas compte, ils vont le voir. C'est un peu quelque chose de subtil, mais ça va donner une assise à votre production. Il y a une autre manière de stabiliser vos plans aujourd'hui. Alors la mode d'hier, c'était le Steadicam. C'est pas parce que c'était la mode hier que c'est plus efficace. C'est vraiment un outil génial, on va le voir. Et l'outil d'aujourd'hui, c'est vraiment le gyrostabilisateur. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre de stabiliser votre image de façon électronique. C'est vraiment assez révolutionnaire par rapport au Steadicam. Ça, un enfant de 5 ans, et à partir du moment où il est réglé, vous lui mettez dans les mains. Et vous ferez toujours des plans super fluides. Le Steadicam, ça demande de l'expérience, mais à partir du moment où vous avez un opérateur qui sait ce qu'il fait, bah c'est l'homme contre la machine, quoi. Si on met donc un Steadicam contre un gyro, on n'aura pas exactement les mêmes plans, même si on est toujours sur des plans fluides et stabilisés. Le Steadicam, moi je pense, c'est mon avis, que le Steadicam, si vous avez un bon opérateur, c'est toujours un cran au-dessus parce qu'il peut anticiper les mouvements, tandis que là, c'est de la correction uniquement. Donc, c'est un peu le débat entre les deux en ce moment, mais chaque outil a quand même son intérêt. Le problème de ça, c'est qu'avec tout ce qu'on a vu précédemment, vous ne pouvez pas vraiment les accessoiriser votre caméra, où là, ça devient très compliqué. Vous avez une nacelle qui est toute petite, vous ne pouvez pas mettre votre matbox, vous ne pouvez pas mettre de follow focus. Vous pouvez mettre un follow focus sans fil, mais ça coûte cher. Vous allez devoir faire un retour vidéo sans fil également, ce qui coûte aussi également cher. Et puis vous devez embaucher quelqu'un pour faire le focus à votre place avec le focus sans fil sur l'écran de retour sans fil. Donc ça devient très contraignant si vous voulez une image stabilisée et mise au point. C'est le même problème sur le Steadicam. Il y a aussi un autre désavantage au-delà du fait que c'est encombrant et que c'est une petite nacelle. Le temps de mise en place, aussi bien pour le Steady que pour le Giro, il n'est pas négligeable. Il faut compter au moins 20 minutes pour quelqu'un qui s'y connaît. Bon, allez, les meilleurs me diront, moi j'arrive à le faire en 10 minutes, c'est vrai. Bon. Mais si vous prévoyez pas au moins 20 minutes au cas où les 10 minutes que vous aviez prévues elles sont pas respectées, vous n'allez pas réussir. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Par contre, vous avez des plans, vous avez quelque chose, même avec votre appareil photo, vous allez pouvoir faire des plans qu'on a vus au cinéma, des plans de grue, des plans vraiment avec une cinématique très particulière grâce à ces appareils-là. Donc c'est vraiment intéressant. La petite nouveauté aussi, c'est le Cam Single. Pour moi, c'est mon petit préféré parce que
Il est tout petit, on peut le tenir à une main. Ce qui veut dire qu'on peut utiliser la puture dont j'ai parlé avant pour faire le focus. On peut faire le focus soi-même, vu qu'on n'utilise qu'une seule main pour tenir l'appareil. Il s'occupe de stabiliser pour vous. De l'autre main, avec la poignée, vous pouvez faire le focus. Donc l'alliance des deux est quand même pas si mal. Tout ça pour le prix d'un Ronin, tout compris là avec l'écran dont on a parlé pour l'aide à la prise de vue. La seule chose qui va manquer dont on a parlé, c'est l'alimentation. Là, vous avez 10 heures d'autonomie dans la poignée. Et sur votre boîtier, c'est la batterie de votre boîtier qui va vous décider. Mais à part l'alimentation, il n'y a aucune limite à votre pouvoir avec ce kit-là. Si vous avez un A7S, un Aputure DEC et le Cam Single, vos plans ils sont de nature assez cinématographique. Et en plus, vous avez vraiment de quoi faire de belles prises de vue avec un écran relativement complet. Voilà. Moi, c'est Mathieu. Vous pouvez me retrouver sur notre plateforme mail. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, je répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne visite au salon et puis à la prochaine.